Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez la pêche aujourd'hui pour la suite de Final Fantasy X. Et oui, parce que là, clairement, il va peut-être encore y avoir un peu de blabla. Mais on va apprendre des trucs intéressants, il va se passer, si je me souviens bien, des belles petites choses. Donc, let's go, ne perdons pas plus de temps que ça, je ne vois plus mon deuxième écran. On est ready, vous êtes parfait, tout va bien. Ok, le chat a l'air bien centré. Tout a l'air nickel aujourd'hui, ma foi. La dernière fois, on avait vraiment pas de chance. Enfin, je n'avais vraiment pas de chance. Là, tout a l'air nickel. Bon, tant mieux. Salut Curiosity. Vérifie. Ouais, le chat est bien centré. Ah, ça fait du bien de revenir sur Final Fantasy. Ça m'a un peu manqué. J'ai pas du tout retouché au jeu. Je voulais faire un peu de Blitzball. Mais je me suis rappelé que j'avais plus trop de sous, donc j'ai fait non. On fera ça, je rejouerai plus tard. Et donc, on vient de terminer le temple de la foudre. Et je me rappelle que Nightmare m'avait dit qu'il y avait un manuel Albed derrière une colonne. Donc je vais voir si on peut retourner en arrière vite fait pour récupérer ce manuel Albed. Et quand vous me voyez retourner en arrière comme ça et essayer de parler aux gens, c'est parce que j'essaye de recruter. Il a l'air pas mal lui. Physique, attaque, vitesse. Ah, c'est un Gaul. C'est un Gaul, non, je vais pas le prendre. Je ne vais pas prendre ce Gaul. Salut Nightmare. À moins que mon coach me dise de le prendre. Ouch, je fais quoi? Off so early? Lady Yuna, you must be exhausted after working so hard last night. Will you be okay? I feel that I have rested enough, but thank you for your kindness. Will you be leaving too? Yes. First we cross Carapuce, the moon flow, and then we head north in search of chocobos to replace those we have lost. Once we find chocobos, our mounted forces will ride again. Huh? Aren't you missing someone? Captain! Wait for me! What took you so long? We're leaving. You expect me to keep up with a chocobo? Lady Yuna, I wish you good fortune. Elma, Clasco, let's go! Ma'am. Hey, can I just rest a sec? No complaints. Donc oui, Nightmare, je disais que ce personnage-là, je peux le recruter. C'est apparemment un Gaul. Gaul, voire même peut-être défenseur. Il fait peut-être les deux, vu ses stats. Maintenant, j'hésite à le recruter. Est-ce que je le recrute pour remplacer mon défenseur ou pas? Voilà. C'est ça la question, monsieur Nightmare. Je te dis ça de suite. Eh bien, écoute. Je patiente un petit peu, mais... Langol, hors de question. Ok. Mais il a l'air d'avoir masse truc. Attendez, je vais essayer de voir. Parce que là, il y avait plein de trucs. Regarde tout ce qu'il a. Il a l'air OP, le machin. Je pense qu'il faudrait que je le prenne. Hein? Je pense que... Gaul, c'est le nôtre ou celui d'Albed. Ok. Et lui, là, il a l'air bien, Kyo, en défense. De toute façon, je vais le prendre. J'ai un emplacement de libre. Je vais le prendre pour 5 matchs. Et on verra bien. De toute façon, le Blitzball, clairement, là, je suis pas prêt d'y rejouer. Étant donné que j'ai pas beaucoup de sous. Where to next? We cross the moonflow. Gotcha. Moonflow baby, here we come. Et je suis à l'Ice Tea aujourd'hui, à la vôtre. Enfin, Ice Tea. Ah si, ça s'appelle Ice Tea, mais c'est du Pattaya. Ice Tea Lidl. Il est pas dégueu, mais il a un rate d'évolution méga lent. Ah ok. Là, vu toutes les stats qu'il a. Je vais essayer de retourner un peu en arrière donc pour récupérer le manuel Albed.
Donc, par contre, je sais pas du tout où il se trouve. Mais de ce que je me souviens, Nightmare m'avait dit derrière une... derrière un truc et dans le coin. Oh, ouais. Par contre, pourquoi la caméra est fixe? C'est un peu chiant qu'elle soit tout le temps fixe, enfin tout le temps, souvent. Alors je n'ai pas XP, je n'ai vraiment rien fait. Donc on va voir. On va voir si je vais avoir des soucis pendant ce live ou pas. 58, merci Kidus. C'était très efficace. Et donc, si je me souviens bien, on va se diriger... j'ai appris une nouvelle façon d'avoir des overdrive, ok. On va se diriger vers la ville de Foudre. Enfin, la ville de Foudre. Un chemin avec plein d'éclairs qu'on doit éviter. Et je me souviens même qu'il y avait un truc spécial. Si on évitait 200 trucs de foudre, enfin 200 foudres d'affilée. Doc, tu ne fais pas un SNSJ? NSJ? What is that? Ah putain, les combats, je vais prendre la fuite, hein, écoutez. C'est pas dans mes habitudes de fuir mes combats, mais... Ah, je sais même plus comment on fait. Comment on fait pour fuir dans celui-là? Bien. Mais il est... Bon bah écoutez, on va les combattre. Ce sera peut-être plus rapide que tu. Donc je sais pas si on va vraiment beaucoup avancer dans ce live. Pour le moment c'est mal parti, étant donné que je dois retourner en arrière pour ramasser un manuel Albed. C'est un peu compliqué. Hein. J'apprends pas mal de nouvelles manières de... obtenir mes overdrive, enfin la capacité de lancer un overdrive. Tidus, faut vraiment qu'il gagne des HP en plus là, c'est ridicule. Bon, derrière une colonne. Putain, mais on fait trois pas, il y a un combat. Bon, Tidus, tu dégages, on va appeler Yuna. Et Yuna, du coup, on va... Ouais, on va pouvoir faire ça, on va tester la nouvelle invocation de Yuna. Et Xion, donc invocation de type foudre. Et ma manette a bientôt plus de batterie. Elle ira jusqu'au bout. Je pense que je peux tenir une Peter comme ça, j'espère. On verra bien. My name's Yuna. Please to meet you. J'espère vraiment qu'il y a un manuel Albed derrière une colonne dans ce coin-là. J'espère qu'il ne s'est pas trompé. Nightmare, je vais te tuer. Tu sais que je vais te tuer, Nightmare. Donc je te tue, Nightmare. Ne me fais pas des peurs comme ça, Nightmare. Dis-moi pas que tu t'es trompé. Parce que sinon, je te tue. Est-ce que tu le sais? Ok, il me dit que c'est bon. Ça me rassure. Je voulais pas avoir du sang sur les mains, tu comprends, Nightmare. Alors, derrière une colonne. Vois que dalle. Attends, ce sera bon quand tu l'auras trouvé. Ouais. J'espère la trouver. Oh mais qui marie, mais bordel, qui seront, voilà toi, petit brasier plus. Non, enfin, je sais pas, aussi j'ai du mal hein. Je vise mon équipe au lieu de viser mes ennemis. Enfin, sinon vous les gens, comment ça va les gens du chat, vous avez fait quoi de beau aujourd'hui, racontez moi Parce que là, clairement, on va pas avancer avant au moins 20 minutes de live.
le temps de refaire le chemin inverse. C'est la haine perso, Ilod sur la PS3. Ah, dur. T'as essayé de faire le truc là pour que les ventilos tournent à fond et que ça la décrasse là. Il y a une technique comme ça là où il faut rester appuyé sur le bouton pour l'allumer. Plus de jours et c'est les vacances. Ah, bon courage à toi, Catboy. Monsieur le chat. Je l'ai passé et en plus il me dit ça avec le smiley genre ah je rigole, c'est trop marrant. Je peux pas le dire avant. Donc, il est où ce manuel? Il est invisible. Heureusement qu'il est là-haut. J'ai appris plein de trucs, j'apprends plein de trucs là, mine de rien. Ok. Et je le vois pas ton foutu manuel Albed là. Mais on fait trois pas. Attention, faut bien ouvrir les yeux là. Ouais. Faut l'imaginer le manuel parce que je vois que dalle hein. Là qui marie qui montre son talent. Farewell. En même temps le manuel est brun sur un seul brun. No time to waste. Let's go. Ouais. Pas de manuel là. Bon. Au pire, tu peux pas nous envoyer un screenshot comme ça, je sais où il est le truc quoi. Allez. Oh putain, Kimari, il a réussi. Mon dieu. Attends, il m'a passé le lien Nightmare. Pas dans mes habitudes d'aller voir. Attendez, je vais zoomer parce que l'image fait 250 pixels. C'est où ça? T'es sûr que c'est au début de la route? T'es sûr de toi hein? Enfin, à la fin de la route du coup. Parce que là, je retourne en arrière donc. Ah, il doit être là. Non. Ah, il est là, putain, l'enculé. Oh! Putain, mais il était caché comme des gros porcs. Ouais, d'habitude, je m'occupe pas sur vos liens pendant les lives, là, mais... là, c'était nécessaire. Loulou. Donc, du coup, merci à Nightmare de nous avoir prévenu qu'on était passé devant un manuel Albed. J'avoue que j'aurais préféré passer devant du premier coup et le débloquer... sur notre premier passage. Mais quand même, il était bien caché le bourreau. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, avec Kimari, je voulais essayer de faire Ryuken sur le basilic. Mais à coup de pas, Nike n'est pas fou. Ouais, à moitié. Voilà, je savais qu'il y avait un truc à apprendre. Ok Nightmare, merci. Parce que là on a perdu... ah mais du coup j'ai plus le temps du stream. On a perdu combien de temps? Une petite quinzaine de minutes. Et on n'a pas fini d'aller, de retourner en arrière du coup. Allez, pas de combat. S'il vous plaît. Putain. Hey, je dis pas de combat, ils nous en... Oh, ils nous en donnent. Là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est qui? C'est Auron.
Monsieur Kimari. Tiens, toi, tu vas faire Petrasuf. On va voir ce que ça donne, ce nouveau pouvoir. Voilà. Merci Kimari, tu nous as fait gagner du temps. Ah putain, j'adorais cet effet de destruction. Salut Suzuko. T'as rien raté, mis à part qu'on est retourné en arrière là. On a ramassé un manuel Albed. On revient sur notre route. Et voilà. T'as rien raté. Bon. Au rond. Ah, j'ai appuyé sur le bouton droit. Pourquoi ça me met sur mes persos à moi? C'est vraiment chiant ce truc. Alors technique. Ok Marie, vas-y. Va rater. Putain, il a pas raté. Marie me surprend. Compatible. Ah, le fils de Suzuko. Il a fait caca. Bon. Allez, plus d'ennemis, j'espère, dans cette zone. Bonjour. Vous voulez jouer au Blitzball? Non. Ah, il va y avoir un combat d'invocation, je crois bien. Je crois avoir aperçu la nana qu'on a rencontrée qui nous a foutu une branlée. Rappelez-vous. Et depuis, on a beaucoup XP. Devrait pouvoir lui éclater la gueule. Kimari, bonne nuit à toi. Écoute, fais-toi plaisir. Auron, tu as raté. Et Kimari réussit. Mais je vis dans un monde parallèle. Que se passe-t-il? Une fois, j'en ai eu un. Il devait arriver à un délai précis. Ça a sauté ce délai pour le prochain. Ce qui m'a fait rater une heure. Ouch. Ouais, bah c'est les bus. Hein. Ouais. Limite la SNCF, c'est mieux que les bus. Je sais qu'il y a un coffre sur la droite, ne vous en faites pas. Good day, everyone. Good day. We can all learn a lesson from what has happened to the Crusaders. Only the truly faithful have a hope of defeating sin. Ok, donc pas de combat, mais le coffre ici, je t'ai vu. Sphère clé niveau 1 x 3. Ah putain, ça tombe bien. Parce qu'il me semble que sur mon sphérier, j'ai vu qu'à un moment j'allais en avoir besoin. Bon, je devrais pas avoir de soucis. Je vais peut-être appeler Waka. Ce serait peut-être bien d'appeler Waka. Ouais, on va appeler Waka. Marie, t'as fait le taf. Go, go, go! Go, 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 Waka! Bon, au lieu de faire un live d'une heure, vu qu'on a mis 20 minutes à démarrer, on va faire un live d'une heure et demie. J'annonce. De toute façon, j'ai envie de jouer. Et voilà. Par contre, il y aura toujours un live tous les deux jours, du coup, pour que les gens sur YouTube... Oh la merde, je l'ai dit. Pour que les gens sur le YouTube aient le temps de regarder les streams. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, je vous remercie tous, mais au dernier live, donc, je l'ai posté sur YouTube ça fera deux jours demain. Et il y a actuellement 17 vues, donc c'est pas beaucoup, mais ça, je m'en fous. Mais il y a 7 likes dessus. Donc, vraiment, merci à ceux qui ont liké, parce que du coup, c'est un très bon ratio. Et voilà, c'est sympa à ceux qui ont laissé ce petit like, parce que du coup je peux gagner en visibilité grâce à cette vidéo. Et du coup le ratio est très très bon, en termes de vues et de likes, donc merci à vous. Si seulement je pouvais avoir ça à toutes les vidéos, mais voilà, merci à vous. Ouais, on est tous dans le pâté là. Waka waka waka, on va mettre silence. Ça devrait avoir effet sur lui. D'accord, ça a de l'effet, mais ça ne l'a pas affecté sur ce coup. Mais Tidus, pourquoi tu rates? Ah ouais, il est en. Waka waka. Non. Si, c'est Waka que j'ai fait aussi. On va faire si c'était plus.
Ah merci Suzuko. Waka. Hey, non. Vous le sentez le game over là? Merci Ifrit. Merci. Merci Yuna d'avoir des invocations. Et what the fuck? Comment ça se fait que j'ai failli avoir game over? Eh mais rigolez pas, parce que si j'ai game over, je dois retourner chercher le manuel Albed. Alors, magie noire, brasier, magma, ça devrait être mieux que brasier. Il lui reste combien de PV? Ah c'est bon, on le tue là. Voilà. De toute façon, je pouvais pas te faire XP Suzuko. Non. À l'endroit où on avait sauvegardé, il y avait un petit passage de dialogue ensuite. Yuna, tu soignes tout le monde s'il te plaît? On a besoin d'être soigné. Peut-être faire un petit tour de sphérier aussi. Hein. Parce que là, c'est un peu tendu. Bah du coup, que ça. 3 points de moagie. J'allais dire de moagie. Oui, vous connaissez la moagie? Un truc super bien, la moagie. Transfert mental, ok. 200 points, ok. Allez, du coup, ah voilà, c'était pour Auron qu'il me fallait. Va se faire niveau 1. Du coup, est-ce que je vais par là? Quoique non. Là, ça me ramène. Dans la merde. Ouais, donc je voulais aller sur la gauche avec Auron. On va faire ça. J'écoutais la musique là, parce qu'il y a eu un petit changement. La musique est plutôt fidèle à la version originale. Mais là, il y a eu un petit truc que j'ai entendu qui m'a étonné. Si tu as des objets défensifs provoquant défense folie déséquipée. Effectivement. J'ai aussi eu un truc au Blitzball, je crois, là, pour que les magies prennent que 1 MP sur un perso. Vous avez entendu parler de ça la dernière fois sur... Cyanure. Je pourrais juste me déplacer d'une case, activer cyanure et me barrer. Je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà. Juste ça et on se casse. Et on va par là. Ouais, je crois, Tristella, je crois qu'on l'avait ramassé grâce au Blitzball. Alors, sur compétence, la force, nickel. Kimari, tu vas augmenter tes HP. Putain, j'aimerais bien que Kimari améliore sa précision. Parce qu'il a vraiment du mal, le pauvre. Il va devoir aller chez Atoll. Allez, les opticiens. Un peu une mauvaise vue, là, le pauvre Kimari. Bon, Tidus qui gagne 200 HP. C'est pas mal, Tidus. On a besoin. Il va par là. Ouais non, ça me rapproche de quelqu'un aussi. Hop. Suivons le chemin. Vous êtes destiné. Et ça a pris viser. D'accord, parce que tu savais pas viser. Donc du coup, c'est bon, on a fait le tour. On peut se barrer. C'est bon. Ah oui, avant mon équipement. Équipement, Tidus, bouclier. Défense sommeil. Déjà, on va se protéger du sommeil. Voilà, dans un premier temps. SOS en fait. Défense de folie. Et il y a aussi fossile. On va se défendre pour la folie. Défense fluide. Dérange pas. Ça c'est pas mal. MPV1.
Défense Mickey. Y'a pas un truc antifolie pour elle? Smoothisme? What? Ah oui, Ok, à toute catboy, crotte-toi bien derrière les oreilles. Défense magique, plus 3. Voilà. Je pense que là, je suis pas trop mal. Au pire, si elle chope, c'est un peu fou. Pour elle, c'est pas trop grave. Bah, folie, ça fait chier, quoi. Donc là, c'est Yuna, donc on va prendre Oro. Let's see. Et à la place de Tidus. Quoi que non, Tidus, faut qu'il évolue. C'est à la traîne. So you need someone with magic skills. Notre cher Lou. Est-ce qu'au niveau du micro, vous m'entendez bien? Parce que j'ai fait encore des petites modifications. Je pense que c'est pas encore parfait par rapport à la sensibilité. Vous devez peut-être encore entendre le bruit de fond que mes parents font. Et donc voilà. J'essaye de régler ça au plus vite, mais voilà, il faut que je fasse des tests avant. Malheureusement, il faut qu'il y ait du bruit autour de moi, parce que sinon, on va tester. One of Kimari's friends looks just like him. What? Both follow summoners on all fours. Hornless goatlings. Hornless! Hornless! You come to insult Kimari? Casse-leur la gueule. We come to warn little Kimari. Summoners disappear. Never return. Next will be Kimari's summoner. Poor Kimari lost his horn. Next lose his summoner. Pitiful Kimari. Howl alone. Howl alone. Bah normal, Nightmare, vu qu'il a plus sa corde, on nous l'a expliqué tout à l'heure. Très bien. Il a arrêté de grandir dû au fait qu'il ait perdu sa corde. They were just picking on you? Kimari would deal with them. And I'll help. Kimari alone. But, It's Kimari's problem. You can't interfere. It's a rule. I'm worried. Let the Ronso deal with Ronso problems, yeah? That's how it's always been. I mean, I'm worried about those summoners disappearing. They aren't just disappearing into thin air. Hey, if we guardians do our job, no problem, right? Oh. Confident. Yeah. Alors. On est marre des combats là. Fight, fight, fight. Tidus, tu vas attaquer celui-là. Auron, tu vas attaquer le mec. Non! Auron a failli tuer Tidus, heureusement qu'il l'a raté. D'ailleurs, Snipey, tu as pas montré la nouvelle chimère que au dernier live. Eh ben, tu serais arrivé à l'heure, Suzuko. Tu aurais vu que je l'ai montré. Oh, oh, oh. Magie blanche. 3K. Pour toi, les épées qui volent. Go, go, go! Speed. Oh, loulou. Ah, je vais la réinvoquer. Ah, c'est juste que pas besoin de l'invoquer, ça va nous faire perdre plus de temps qu'autre chose. 8 ans, on soigne, on se dépêche, hop, hop. Et maxi potion. Et pas besoin pour le moment. Et pour le moment, j'utilise beaucoup la magie soin de Luna, mais. Jamais les potions. Oh yeah.
Oron, s'il te plaît. Casse la gueule à celui-là. Qui est le suivant? Bah, il est tout seul, donc... Fais-toi plaisir, mon cher Oron. That's how it's done. Bon. J'espère que les niveaux 1 x 3. Ah bah putain, ils sont généreux là. J'ai plein de sphères plutôt cool. Waka, c'est Waka. Magie, brasier plus. Non. J'ai du mal avec ça. Hein. Un jour, j'arriverai à utiliser ce truc correctement. Vers la fin du jeu, sûrement. C'est bien, en tout cas les sous ça permet de remonter un petit peu. Du coup je pourrais peut-être me permettre de faire un peu de blitzball après ce live. Alors, ça vous intéresse. Et du coup ce sera pas sur YouTube hein, pour les gens qui me suivent uniquement sur YouTube. Kills, vas-y, fais-toi plaise. Oron, vas-y. Et Madame Loulou. Crame-lui la gueule. Merde, ça veut pas monter de niveau. Hey toi. Ah. We meet again. I heard you took part in Operation Mihin. You've seen that Machina aren't the answer. In the end, only summoners can hope to defeat Sin. You are right. I must train harder. I can help with that, if you like. I propose a contest of aeons. A friendly contest, of course. Relevez le défi. I'm ready. That's the spirit. But before we begin... Voilà, elle nous soigne. Est-ce que je vais y arriver? Elle invoque Ixion. Moi, je vais invoquer Ifrit. Call whichever Aeon you want. Invoquer Ifrit. C'est vrai qu'elle m'a déjà eu une fois. Bah oui, évidemment, Nightmare. Sinon, c'est pas marrant. Rocket Boy. J'espère que t'as bien frotté derrière les oreilles. Comme ça. Et du coup, avec Ifrit, il va pouvoir me soigner. Ça, c'est cool. Là, on va jouer avec le temps. Essayer d'avoir mon overdrive. Exactement. Raté. Et pas qu'un peu x3. Ah. C'est bien. Ah, Kamehameha avec la bouche. Ouais. On tape. J'ai gagné. Overkill. Voilà, dégage. Faut pas test. Qu'il y frite. Il y frite tout le monde. Il y frite les pommes de terre, il y frite plein de trucs. Et donc j'ai gagné quoi? Ah ouais, t'es trop nul. Here, your prize. Go on, take it. Écaille de dragon x2. Cœur d'invoqueur. Quoi sert le cœur d'invoqueur?
Justement, maintenant que vous avez le cœur d'invoqueur, vous pouvez apprendre des compétences au chimie en utilisant des objets. Ah, j'avais oublié ce truc-là. Ok. Pour ce faire, sélectionnez l'option apprendre. Et choisissez une chimère. Oui, mais c'est bon, je m'en souviens maintenant de ce truc-là. J'ai pas besoin de tuto. Je m'en souviens, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. J'ai pas besoin de tuto, je vous dis. Ifrit, l'invocation préférée des Belges. Pas mal. Pas mal, pas mal. J'apprécie. J'apprécie, Nightmare. Ah, vous faites des blagues, hein. Attention. Attention, il y a des grosses blagues là qui sont balancées. Il y a du gros niveau. Auron, tiens. Hop. Oui, bah bien vu. Je vais rappeler l'invocation préférée des Belges. Et total lancé, c'est bien chiant. Putain, je pense. Non, mais c'est chiant là quand c'est trop long comme ça. Je vais peut-être faire un petit peu. Mais quoi que, j'ai pas encore toutes les chimères donc. Ce serait bien que tout le monde voie l'animation complète de chimère. Mais bon, c'est long, c'est chiant. C'est joli, hein. Mais c'est long. Quand tu veux pas mourir. Allez, on se soigne. Ouais, je crois aussi Nightmare, mais je suis pas sûr moi non plus. Je préfère laisser comme ça. Ah, ça devrait pas marcher. Bon, il meurt quand? 1600 PV, il te reste. Bah attends, on va tenter l'overdrive. Hein. Ça devrait lui faire bien mal. Un 5 à PV, ce bordel. Il n'y a aucun drop. Tout se passe bien. On avance. On a un peu galéré au début. Combien de temps qu'on est en live? 38 minutes. J'ai vraiment du mal à voir. Faudrait que je trouve une solution pour mieux voir sur l'écran. Le chat est affiché à 100. En gros, chez moi, donc c'est pas un souci, mais sur OBS. J'ai obtenu un trophée, l'artillerie lourde. Et c'est quoi ce trophée? Ah oui, c'est vrai que sur PS4, pour voir les trophées, il faut être connecté à Internet. Va te faire foutre, Sony. Bon. Sur la PS3, c'était pas le cas. Hein. T'avais accès à tes trophées, même hors ligne. Et là, tu peux pas. Je vais peut-être me soigner, moi. Hein. Ce serait peut-être mieux. Je pense qu'on a déjà pris assez de risques comme ça. Pour la PS Vita aussi, je crois, la passion. De quoi? Que c'est comme la PS4, tu peux pas les voir hors ligne? Ou inversement. Possible, Catboy. These are moon lilies. They say that clouds of fireflies gather here when night falls. The entire river glows like a sea of stars. Really? Hey, I got an idea! We're not waiting till nightfall. Then, once we beat Sin, we're coming back. Préviens-moi avant que je passe devant Nightmare, c'est tout.
Il faut que j'essaie de prendre des screenshots, parce que je vous avais dit que je voulais prendre des screenshots à un moment, mais en fin de compte, j'ai merdé. Ça prenait des screenshots, mais ça prenait des screenshots de la fenêtre d'OBS, de ce que vous voyez en stream. Pas forcément intéressant. Pas une belle image. Rive nord du Selenaos, annuel. Caché, les voyants, ils... Enfin. On commence à avoir pas mal de manuels, là. On va peut-être pouvoir comprendre quelques mots de Albed, maintenant. Ces éléphants sont toujours aussi dégueulasses, même en HD. Enfin, éléphants. Dinosaures, ou trucs chelous. This is a shoe puff. Whoa! Let's ride! Come on, let's go! All right, we board soon as we're ready, huh? Voilà ce que je t'en dis, Waka. Que de phoenix. Shoe puffs? I haven't ridden one in so long. What? You've been on one of these? Well, just once. 10 years ago, with Kimari. Remember? Shoe puff shook, Yuna fall in water. Shoe puff scoop up Yuna with long nose. Yuna jump in 3 more times for fun. Kimari worried. Whoops. Yuna had fun. Kimari happy. En rive nord, oui, oui, rive nord, ok. Là, je suis où là? Je pense qu'il faut pas que je monte là-dessus pour le moment. C'est au niveau sud là. Ok. Mais j'ai pas de... Il n'y a pas la rive nord. 10 years ago. Ah, a history lesson. Jack saw his first shoe puff here. À moins que je dois prendre le shoe puff pour être à la rive nord. He drew his blade and struck it. Et peut-être ça. Why? He was drunk. Thought it was a fiend. Oh, brother. We offered all the money we had as an apology. Jekt never drank again. But it would seem that Shoe Puff still works here. Comme ça qu'il a arrêté de boire de l'alcool. Ok. Bonjour monsieur, vous me semblez être important. Machine, contre les préceptes. Mais ne dites donc pas n'importe quoi. Nous sommes des personnes tout à fait responsables. Tu veux pas jouer au Blitzball? Non. Toi, la dame derrière Monsieur Auron, il n'est pas joué au baseball non plus. Et donc, je montre comment. Je crois qu'il faut parler au mec en. Il ressemble au mec de Oddworld. Dangereux de s'approcher d'un super. Il pourrait vous écarter comme une crêpe. Ok. Je montre comment. Laissez-moi monter. S'il vous plaît. Rêve vide et Albed dans les environs, soyez sur vos gardes à tout moment. Ah! Ah mais oui! Ah mais oui! Je me souviens qui on va rencontrer. Non, je ne pense pas que c'est une bonne idée, yes. Please, we beg of you. Impossible! Impossible! What's wrong? This guy won't let our chocobo on the shoe puff. Ah! It is kind of big. It's just not fair. He does have a point, though. So what? We just leave him behind? Hey, I didn't say that, just... It is no good. We will have to find another way. We will find a ford where we can cross on foot. Yes, Captain Sir. But that'll take days. Where there's a will,
there's a way. Oh, boy. That's our captain. Bon, bah, eux, il arrive que des galères quand même. Where there's a will, there's a way. Those words stayed with me. I wonder how Captain Lucille is doing. Ah, y a un coffre. Riding a shoe puff isn't that much fun. Je veux pas te parler, je veux ouvrir le coffre. Some things little boys never grow out of. Right? Ah, 5000 gils. Toi, Kat, tu veux pas jouer au Blitzball? Non? Let the driver know when you're ready. Je pensais rentrer à Bevel juste après le tournoi de Luca. Mais les bannisseurs avaient fermé la route, alors je suis resté bloqué un bon moment. Et pourquoi tu me racontes ça? Bienvenue, vous êtes un connaisseur, ça se voit. Vous n'aurez jamais de problème en achetant chez moi. Déjà un vendeur qui me dit ça. C'est pas bizarre. Avec analyse en plus, pourquoi pas. Attaque de feu, je m'en fous. Attaque de glace aussi. Ça, je m'en fous. Ça, ça peut être pas mal aussi. Je vais prendre ces deux armes. Voilà. À la prochaine. À la prochaine, monsieur. Je vais peut-être sauvegarder aussi. De quoi, toi? Comme le chou puff Comme le chou puff ne prend que peu de passagers, on doit parfois attendre des heures avant de pouvoir monter. Mais les invoqueurs sont prioritaires. Tout le monde souhaite qu'ils se rendent à Zanarkand le plus rapidement possible. Ah, je vais sauvegarder. Parce que... j'ai des trucs. Il y a le vieux babar. Bavard. Il dit quoi, vieux bavard? Would you like to hear a bit about the one de ces fantastiques choupeuf? Surtout pas. Pity. Dommage. Même. Du coup, il faut que je parle à lui. Oui, on est prêt. All aboard. Let's go. Shoepuff launching. J'aime beaucoup cette musique. J'avais un petit peu oublié dans mon inconscience, mais il est resté dans mon inconscience. Touche à bord, ouais c'est ça. Hey. Huh? Take a look. What? Whoa! A sunken city. A Machina city, 1,000 years old. They built the city on top of bridges across a river. But the weight of the city caused the bridges to collapse, and it all sank to the bottom. Right, it's a good lesson. A lesson? Yeah. Why build a city over a river, yeah? Well, it would be convenient with all that water there. Nope, that's not why. They just wanted to prove they could defy the laws of nature. I'm not so sure about that. Yevon has taught us. When humans have power, they seek to use it. If you don't stop them, they go too far, yeah? Yeah, but don't you use Machina too? Like the stadium and stuff, right? Yevon, it decides which Machina we may use, and which we may not. So what kind of Machina may we not use, then? Remember Operation Meehan? That kind. Or war will rage again. War? More than 1,000 years ago, mankind waged war using Machina to kill. They kept building more and more powerful Machina. They made weapons so powerful,
It was thought they could destroy the entire world. The people feared that Spira would be destroyed. But the war did not stop. What happened then? Sin came, and it destroyed the cities and their machina. The war ended, and our reward was Sin. So, Sin's our punishment for letting things get out of hand, eh? Man, that's rough. Yeah, it is. But it's not like the machina are bad. Only as bad as their users. It's because of people like the Albed screwing everything up. What could that be? Qu'est-ce que c'était? Sit down. Sorry. Oh mon dieu, des Albed. Attention, on vous comprend maintenant, on a ramassé des livres. Ça me rappelle un combat, rappelez-vous, dans Final Fantasy IX, quand Daga se fait capturer par une plante carnivore et qu'on est avec Vivi, et on doit soigner Yuna pendant qu'elle est dans la plante carnivore. Alors lui, il craint quoi? C'est quoi ça, le jaune, là? Ça doit être la foudre. Machine, ça me paraît normal. Et du coup, est-ce qu'avec Kidus, c'est pas plus rentable de faire des dégâts physiques avec Grenard? Ouais, bah Daga, Grenard, c'est pareil. Devoir utiliser des potions pendant ce combat. C'est pas impossible. Alors, ouais, je fais beaucoup plus de dégâts avec mes trucs physiques. Pourquoi pas cécité plus. On va voir. Ça m'étonnerait que ça marche, mais au moins on fera des dégâts. Vous me jetez des grenades? Peut-être pour me soigner. Non. Spéciaux. On va tenter silence, mais ça ne marchera pas non plus. Si ce n'est que moi. Si. Ryuken. Vas-y, fais Ryuken pour le LOL. Tu vois, si Tidus pourrait le toucher malgré au fait qu'il soit surélevé l'ennemi. Mon dieu, des grenades! Ah ouais, ça pique un peu quand même. Bon, Tidus va pouvoir lancer assaut du coup. Et Waka va soigner Tidus. Ouais, je pense que je vais faire. Les dégâts l'ont fait plonger. Ouais, il va encore en prendre plus dans la gueule là, le pauvre. Allez, Tidus. Oh, du premier coup. C'est la première fois que je le fais du premier coup, l'overdrive. Respectez-moi maintenant. Je veux du respect. Aqua Shooter. Non, 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 non. Tu ne me tueras pas, le Tidus, s'il te plaît. Moi, ça. Objet. Ouais, une petite maxi potion. Je pense que ça va être c'est le bienvenu. Et monsieur Tidus. Grenade parée au lancement. Tu me fais chier avec tes grenades. Bien joué, Tidus. Je te félicite. Et lui là, il va me faire super mal. Alors Waka devrait peut-être avoir sa limite.
Ah, c'était limite ça, ok. Non, pardon. Mais... Idus, qu'est-ce qui t'arrive? Mais ils ont tout... Ils ratent tous! Coup de ma gueule! Bon. Tu as cessé... Ah bah oui, oui, ah oui, oui, effectivement, je l'ai pas vu. Il a cessé. Où on est un petit peu dans la merde. Comment je vais m'en sortir? C'est collier qu'il faut que j'utilise. Parce que l'obscurité, c'est quoi déjà? Je crois que c'est ça qu'il faut que j'utilise, mais j'ai un doute. Oui. Bon, les grenades, c'est pas grave. Envoie-les, envoie-les. Tu vas faire monter ma jauge d'overdrive. Y a pas de souci. Sauf si ça me remet l'altération d'état. Putain, ça la remet. Je crois qu'on n'a pas le choix. Je pense qu'on n'a pas de choix. Ouh, ce coup dans la gueule là. Coup critique parce que ça a flashé. Voilà. Parce qu'il va. Le truc va exploser avec Luna à l'intérieur. Pas mal d'argent en plus. On a déjà presque quasiment rattrapé l'argent qu'on avait avant de faire nos achats. No, I'm fine. Oh. Ah. Ah. Those outbed. Is everybody okay? I'm sorry. We're all okay now. Yuna. Shoot her full speed ahead. Ah là là. Assez comique ce petit passage aussi. Damn the outbid! What do they want from us? Waka, je suis pas content. They have something to do with Luca. Je tape la pause. What do they have to do? Wait, they're mad they lost the tournament. Oh wait, they're mad about Operation Meehan. I wonder. Didn't Kamari's clansman say something about summoners disappearing? So the outbid are behind that. Those sandblasted grease monkeys. Hey, Waka. It's no use complaining about the outbid now, right? We'll protect Yuna from anyone, anywhere. It's that easy. That's all I need to know. Well, I guess so. You're right. Ah, le malaise. Mais bon. Je ne m'inquiète pas pour ce cher Waka. C'est combien de temps qu'on est en live? 1 heure, j'ai dit qu'on faisait 1 heure et demie, donc je continue encore une petite demi-heure. Dans l'au-delà, Serwaska doit être fier d'avoir une fille. Ouais. Non, c'est louange, c'est des fanboys. Might be more out bed. Keep watch, yeah? Ok. Seulement il savait, notre chien. Waka, at your service. Non, je vais te faire un don, toi, parce que. Ah non, j'ai pas, je peux pas te faire de don. Oui, je vais l'avoir appelé Night. J'en ai acheté un peu.
peu histoire de. Voilà. Et le manuel est juste là. Je ne veux pas la ramasser. Voilà, donc on sait que la lettre M correspond au L. Paye sur Yuna, d'accord. Casse. Alors, est-ce que eux veulent jouer au Beats Ball? Alors, toi, tu fais déjà partie d'une équipe, de ce que je vois. Ouais, je peux pas trop. Bon. Ah, quelqu'un. Y a quelqu'un. Je lui parle ou pas, les gens? Ah oui, on va lui parler. Les habits, ça me rappelle quelqu'un. You're not dead? Ah? Au revoir, Arcane. That... Riku. You're Riku. Hey, you're okay. How you been? Terrible. Yeah, you don't look so good. What happened? You beat me up, remember? Huh? Oh, that Machina? That was you? Oh, that really hurt, you know. You big meanie. Mais quoi, pas mal changé, hein. You attacked us. Cette version HD. It's not exactly what you think. Yo! Friend of yours. And you could say that. Pleased to meet ya. I'm Riku. Yuna? Lulu? I told you about her, remember? She was the one who helped me before I was washed up on Besaid. She's an Albed. Faut rien dire devant Waka. Wow, so you like all your life. What luck meeting here, huh? Praise be to Yevon. So, Riku, you look a little beat up. You okay? Waka. Huh? What? There's something we need to discuss. Oh, go ahead. Girls only. Boys, please wait over there. Right. Sorry, Waka. Huh? What? Ah. Je ne dis rien. Je laisse le scénario parler de lui-même. Sir Orin, I would like Riku to be my guardian. Show me your face. Huh? Look at me. Oh, okay. Open your eyes. As I thought. No good? Are you certain? 100%. So, anyway, can I? If Yuna wishes it. Yes, I do. Riku's a good girl. She helped me a bunch. Mm-hmm. Well, I'm for it. The more the merrier. Righto. And I'll just have to be the merriest. It was strange. Even though Waka had always hated the Albed. Riku, at your service. He never realized Riku was one of them. Donc, ce que je disais pendant le truc sur Synops Game, là, la préparation de Let's Play que j'avais fait avec la voix off, au niveau du racisme, c'est que c'est clairement le problème entre les Albed et les gens normaux.
La police d'écriture là me fait un peu penser à celle de Kingdom Hearts. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que le c'est assez arrondi sur les bords, c'est différent. Enfin bref. Peut-être que je fabule. Quel cri con, on pourra ouvrir les coffres. On pourra voler les ennemis, lancer les objets. Ouais, c'est juste ça se voit moins effectivement. Donc ses cheveux ils pètent un pont là. Alors. Alchimie, on va modifier. Je vais prendre les trucs que je peux acheter. Quoique. Sphère mentale, on en a 99. Les sphères physiques aussi. Grenade anti-chat. C'est plutôt pas mal. What did you just do? That was great. I can combine items and use them like this. On va percevoir une nouvelle épée de Tidus. Ça ressemble à celle que Auron nous a étonné au tout début, avant qu'on arrive, avant qu'on se fasse absorber par Sid. Donc voilà, Riku. Maintenant, c'est pas un spoil de vous dire ça, mais on a toute l'équipe au complet. On va pas recruter d'autres personnages. Voilà, il y a tous les membres de l'équipe qui sont présents. Vas-y. Non, Yuna, invoque. L'invocation préférée, des belles, je quitte. Je sens que ça va rester ça, hein. Pendant tout le let's play là, je sens que cette blague Nightmare va rester dans ma mémoire. Magma. Je vais voir que Magma lui fait combien de dégâts. 870, ok. Et mon attaque physique, elle va lui faire combien? Oh, autant faire une attaque physique. C'est vrai, Nightmare, il n'y a pas beaucoup de skins d'armes. Mais il y en a. Il y en a au moins. C'est pas comme certains jeux où il n'y a pas de différence de skins du tout. Faire l'overdrive. Faisons l'overdrive, soyons fous. En plus, il a pas lancé toute l'animation. Tant mieux. Ok. Oh, je suis pas. En tout cas, cet après-midi, j'ai fait un petit live. À l'arrache, et donc on a joué un peu à tout et rien. On a discuté aussi de tout et de rien. C'est vachement intéressant. C'est vraiment cool. Arcane peut vous en témoigner. Donc voilà, n'hésitez pas à venir à autres lives qui ne sont pas prévus. Les annonces sur Twitter et le groupe Facebook aussi. Mais voilà, c'était bien cool. Ce genre de petit live en mode détente à l'arrache. C'est un très bon moment cet après-midi. On a pu parler d'autres choses que du jeu vidéo. C'est sympa. Loulou, s'il te plaît. Well then, what next? Voilà, hop. Tidus, tu as fait. On va appeler au rond. S'occuper de avec ce carapace. Il ressemble à une un peu à un sablero, hein, le Pokémon sans les griffes. Compétent une, hop, vas-y, soigne.
méga potion. Combien de temps que je suis en live là? 1h10, falloir pas tarder à sauvegarder. Au prochain point de sauvegarde, je vous laisserai là. Et ensuite, bah, pour ceux qui suivent ce live en direct, on se retrouve 5-10 minutes après pour du Blitzball. Ah, cette fameuse huile. We have been expecting you, Lady Yuna. Welcome to Guado Salam. This way, my lady. This way. Me? Whoa, whoa, whoa! Oh, I beg your pardon. I am called Trommel Guado. I am in the direct service of our leader, the great Seymour Guado. Lord Seymour has very important business with Lady Yuna. Business with me? Whatever could it be, I wonder? Please, come inside the manor. All will be explained. Of course, your friends are also welcome. Twist our arms, why don't you? Je fatigue un peu. I almost forgot. Maintenant que Riku est dans le groupe, vous allez pouvoir modifier vos armes. Ah! Voilà, on va pouvoir parler de choses sérieuses là. On va pouvoir améliorer nos armes. Là où il y a des cases vides, on va pouvoir faire des trucs cool. Bordel, je suis content. Merci Riku. Ça va être intéressant. Allez, mais j'ai pas besoin de tuto. J'ai déjà joué au jeu, s'il vous plaît. C'est pas Riku, mais je t'aime. Ça tombe, on pourra faire des trucs cool. Du coup, là, je crois que c'est ici l'auberge. Il y a peut-être le point de sauvegarde. Voilà. Donc, le manuel Albed, je le ramasserai la prochaine fois. Je vais sauvegarder ici. Hop, je sauvegarde. Et je passe en mode au revoir. En tout cas, on a bien avancé, mine de rien. Bon, il s'est pas passé grand-chose. Mais voilà, petit passage obligatoire. Bah, j'espère que ça vous a plu, que ce soit pour la rediff YouTube, et je tape dans mon micro, désolé, ou les gens du live, hein, moi j'ai bien apprécié. Et voilà, comme d'hab, hein, voilà. Je vous remercie encore une fois. Et puis à très vite pour un prochain live pour les gens de YouTube, et à tout de suite pour ceux qui sont encore sur le live pour la suite du Blitzball. Voilà. Bisous YouTube et à plus tard. Ciao ciao. Je disparais dans la pénombre. Ciao ciao.